j'ai une histoire. C'est deux vieillards qui sont assis sur un banc. Il y en a un qui dit, « Hey, dis donc, Dédé, t'as oublié de fermer ta braguette. » Alors l'autre répond, « Mais j'ai pas oublié, je l'ai fait exprès. » « Mais pourquoi ça ?»« Ben, figure-toi qu'hier, j'avais oublié de fermer le col de ma chemise, et aujourd'hui, j'ai le cou tout raide. » Alors, c'est l'histoire d'un gars qui habite en province et qui a un ami un peu âgé qui s'est retiré là-bas et qui collectionne les cabinets civils. Il dit « Oh, tu vas à Paris, sois gentil, va rue de Beaune chez les antiquaires à telle adresse et ramène-moi un cabinet sibérien, je suis fou de ça et je sais qu'il y en a deux qui sont arrivés à Paris en ce moment. » Il fait son voyage, il arrive à Paris, il va à l'adresse rue de Beaune, il va rentrer dans la boutique et il dit « Monsieur, excusez-moi, mais j'ai un ami qui collectionne les cabinets sibériens, il m'a dit que vous en aviez. » On dit « Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Vous êtes dans la maison à Paris, enfin en Europe, du cabinet sibérien. » Écoutez, monsieur, je suis très heureux. Je pourrais en avoir un. Monsieur, on ne dit pas, je pourrais en avoir un. Il m'en reste deux. Il y en a un que je viens de vendre à Londres actuellement, fortune. Il m'en reste deux. Et je peux vous dire que cet après-midi, ils seront partis. Voulez-vous que je vous les montre ? Avec grand plaisir, dit-il. Et le mec lui amène deux boîtes magnifiques. Il ouvre une des boîtes et il y a un grand bâton avec le pommeau en argent, travaillé, damasquiné, et une vis sans fin à la fin du grand bâton. Et un petit bâton à côté. Tout ça dans du velours, c'est magnifique. Ah, il dit, c'est très très beau, en effet. C'est ça, un cabinet sibérien ? Oui, monsieur. Et l'autre, vous pouvez me l'ouvrir ? Il ouvre l'autre, et c'est effectivement un bout de bois, sans trop d'ornement, mais très joliment travaillé, au bout, avec une vis sans fin, et un tout petit bâton aussi. Il dit, bon, bah, écoutez, je vais prendre le joli, là, qui est... Il dit, monsieur, vous connaissez le prix des cabinets sibériens ? Il dit non, pas du tout. Il dit, celui-là, il faut 185 000 francs. Mais il fait 18 briques, les deux bâtons, là. Mais c'est un cabinet sibérien, il n'y en a plus. Il n'y en a plus dans le monde. On se les arrache à New York. À Moscou, je ne vous raconte pas quand vous essayez de récupérer. C'est un vrai cabinet sibérien d'époque. Il dit, écoutez, 185 000 balles. Non, je vais prendre celui en bois qui est en dessous. Il dit, monsieur, c'est un très joli cabinet sibérien. Il vaut 95 000. 95 000 balles, 9 briques et demie. Oui, monsieur, il n'y en a plus. Bon, il dit, donnez-moi, il fait un chèque, il dit, c'est putain, c'est vrai. Vous pouvez me faire un prix, il dit, monsieur, un cabinet sibérien, ça n'a pas de prix. Il fait son chèque, vous me l'emballez, il dit, comment ça fonctionne ? Ah, il dit, vous ne savez pas comment ça fonctionne ? Non, il dit, mon pote collectionne les cabinets sibériens, vous savez, il y a 10 collectionneurs dans le monde, et croyez-moi, votre ami, il sera très heureux. Vous savez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Vous savez qu'en Sibérie, c'est la toundra, le sol est dur, il y a la neige, il fait froid, et il y a du vent. Il dit, oui, c'est bien, mais enfin, pourquoi ces deux bâtons ? Je vous explique. Le grand bâton avec le pommeau, je vais vous montrer ce que je peux me lever, oui. Le grand bâton, donc il y a le vent. Ah, 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 le froid. Ouh. Et avec ce grand bâton, vous le plantez dans la toundra. C'est difficile. Et vous vissez avec la vis sans fin le grand bâton. Quand il est assez vissé, vous baissez votre froc, vous accrochez au grand bâton parce qu'il y a du vent et la neige qui arrive, et vous faites votre petite votre grosse commission. Ah, dit le mec. Et le petit bâton, il sert à quoi ? On dit, ça, c'est rien, c'est pour les loups. Ces Américains, ces Anglais, ils sont quand même assez bizarres. Moi, je me souviens de l'histoire d'un Anglais qui était dans le sud de la France à un moment donné. Il était célibataire et il essayait de se renseigner auprès des autochtones pour savoir s'il avait une chance d'arriver à draguer une petite jeune fille pour pas finir la nuit, la soirée, la semaine tout seul. Et il parle... aux jeunes d'ici, aux Marseillais, comme ça, il dit, dites donc, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pensez qu'ici, dans votre pays, dans le midi de la France, il est facile d'arriver à trouver une petite campagne ? Et le Marseillais lui dit, mon petit, ici, peu cher, les filles, elles sont pas farouches, tu leur demandes gentiment, avec un sourire, elles t'accompagnent. Elle lui dit, car vous savez, en Angleterre, parfois, il faut attendre un an, une année, avant d'obtenir un petit baiser de votre future promise. L'autre le regarde et lui dit, oh putain, il faut attendre un an. Nous, ici, au bout d'un an, on a déjà les allocs.